Bonjour à tous, petite vidéo pour vous parler aujourd'hui de la différence entre l'article scientifique et l'article journalistique. C'est une petite demande qui a été faite dans les commentaires, donc voici la réponse. Alors très concrètement, les éléments sont les mêmes. Introduction, revue de la littérature, méthode de données, résultats, discussion, conclusion, c'est à peu près la même chose. La différence étant la structure, donc l'ordre. Et ce sont des structures pyramidales opposées en fait. Donc, pour le journalisme, on part de la chose la plus importante et on va vers la chose la moins importante. Pour le scientifique, on va de la chose la moins importante pour aller à la chose la plus importante. Et ça, ça s'explique historiquement, c'est parce que les journaux, utilisant la publicité, on coupe les articles à des moments pour insérer des publicités. Donc, le journaliste devait obligatoirement, s'il voulait être efficace, mettre toute l'information, ou les informations les plus importantes, dès le départ. Le scientifique, qui n'a pas les mêmes contraintes, lui fait l'inverse. Et il commence toujours par faire un portrait. Donc il décrit une situation en disant, bah voilà, moi je m'intéresse aux émoticônes qui sont utilisés sur les réseaux sociaux, puis sur Internet, et puis etc., etc., en texto. Et donc il va faire un portrait. Il va dire, oh, il y a 1 milliard d'utilisateurs qui utilisent des émoticônes, tel et tel et tel et tel. Il y a tel et tel et tel, plateforme qu'il utilise le plus souvent. Et donc, et à la fin de cette petite introduction, il va poser son problème, donc il va s'installer, lui, comme chercheur, en disant quelque chose comme « Est-ce que ça influence les manières d'écrire ?» Voilà. Et il va faire ensuite, il va installer tous ces éléments, sa revue de littérature, « J'ai lu ça et donc j'ai trouvé ça », sa méthode de données, « J'ai fait un corpus à partir des différents sites et j'ai eu tant d'informations sur ça », ses résultats, donc là, les pourcentages, les éléments, et à la fin, la discussion en disant « Bah voilà, le lien entre ma théorie et mes résultats, c'est ça ». Et donc, tout à la fin, il va préciser, il va nous donner les éléments clés, les éléments qui nous permettent de saisir et de comprendre ce qu'il a fait. Donc ça, c'est la grosse différence qui fait et qui explique un petit peu comment voir, comment tout de suite repérer si vous êtes sur un article plutôt scientifique ou sur un article plutôt journalistique. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Au revoir.